Tata Suisse, mon ex va sur Facebook, il capture ma photo de profil avec mon mari, il me renvoie ça. Et le problème est à quel niveau? Tu ignores ça encore avec lui. Parce qu'un ex qui se permet d'aller sur Facebook capturer la photo de profil avec ton mari pour te renvoyer, il ne savait pas que tu étais marié. Il doute ou bien il voulait la preuve. Hein? Il a donc la preuve que tu es marié. Et tu as peur de quoi? Et en bas, Carmine Hemosus, ne postez pas vos maris sur les réseaux sociaux. Vous ne voulez pas comprendre. Et en bas, Carmine Hemosus, ne postez pas vos enfants sur les réseaux sociaux. Vous ne voulez pas comprendre. Et il y a ce qu'on appelle vue uniquement, c'est-à-dire la vue unique. Ou bien quand tu es même sur WhatsApp, il y a ceux qui peuvent voir ton statut et ceux qui ne peuvent pas voir ton statut. Il y a les gens ici, le temps que toi tu manges là, qui te souhaitent nous yaou. Je te dis la vérité. Il y a les gens qui te souhaitent le pire, le temps que toi tu es assise là. Donc, pour ne même pas, parce que vous êtes souvent là, vous êtes combattu, tu ne connais même pas que tu es combattu. Vous êtes souvent là, tu négliges ta vie. Tu es très bien combattu. Parce que dans l'affaire de combat là, ton ex-belle-mère peut te combattre dans le silence. Ta ex-belle-sœur peut te combattre dans le silence. Ton ex-beau-frère peut te combattre dans le silence. Ta cousine peut te combattre dans le silence. Ton ancienne voisine peut te combattre dans le silence. Ton ancienne camarade de classe peut te combattre dans le silence. C'est les gens que vous avez croisés dans votre échelle de vie là qui vous combattent parfois dans le silence. Donc c'est toi-même qui portes ta vie privée, tu verses sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il y a quelqu'un quelque part qui fouine, qui veut savoir ce que tu es devenu. Tu prends ta propre vie, tu verses sur les réseaux sociaux pour donner le pain béni aux gens. Voilà donc. Voilà, tu as posté ton mari, on a capturé ton mari, on est venu te montrer. Et avec la photo de ton mari, ta photo et la photo, il peut amener ça au Bénin. Il prend l'aiguille, il vous perce les yeux. Ah, c'est vous-même. Il peut prendre ta photo, la photo de ton mari, vous amène au Bénin à Manmin, que tu mises. Ou Kiruntwe, Yuandis, tu vas demander à qui? Que Womena. C'est vous-même qui tendez parfois le bâton qu'on vous tape. Quand on aime une personne, on protège la personne. Vous montrez tout, vous faites même souvent la concurrence avec qui? Entre-temps, tu as les ennemis comme ça là. Connus et inconnus. Est-ce que vous savez que les ennemis inconnus dépassent les ennemis connus? Les ennemis inconnus dépassent les ennemis connus. Ndemiamine, tu chies, tu montres, tu sautes, tu montres, tu es malade, tu montres. Vous avez même les photos de perfusion que tout le temps je suis malade, je suis hospitalisée. Tu dis à qui? Sur les réseaux là, il y a les médecins là-bas. Ils vont te soigner. Tu cherches quoi? L'empathie. Ouadza à Bordeaux et tu perds ton temps. Les gens viendront mettre les ripes quand tu vas moire. Combien si tu es malade, même les vues et ignorées. C'est si tu moires là que les gens vont faire les témoignages. Que je l'ai eu hier. Je l'ai eu avant-hier. Ouais, c'était ma camarade de classe. Ouais, une fille qui était vraiment belle. Une fille qui était comme ça. Pourtant, la personne ne t'adressait pas la parole.